Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend la dernière fois de Wong Fu de Compagnie aux Filles Roses, le théâtre de guerre opération Barbarossa. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer à bataille IA en coop, ligne de Moscou. Environ de Moscou, Russie, URSS, décembre 1941. Le sang du peuple soviétique et le froid de l'hiver russe ont enrayé l'assaut allemand de Moscou. À présent, l'armée rouge organise une contre-attaque pour priver définitivement la Wehrmacht de son objectif. Je vous dis à tout de suite dans le lobby, le temps qu'on crée le lobby, que mon ami me rejoigne. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà pour la suite de cette vidéo. Bon, je devrais faire seul cette mission étant donné que mon coéquipier ne peut pas rejoindre. C'est pas grave, hein. Et moi c'était bonne chance avec l'IA, donc on va y aller. Hein. C'est les problèmes, voilà, ça peut arriver. Donc les conditions seront les mêmes que la mission d'avant, hein. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Étonné que c'est encore le froid qui va nous gêner. Comme toujours, la même stratégie, vous faites plein de blindés et vous rasez la base ennemie. Ni plus, ni moins. Bon, je suis d'accord, cette technique-là est réductrice. Mais bon. Tant que c'est une technique qui marche, j'ai envie de dire, tant mieux, hein. Donc on va partir, et cette map là en fait est... ça se base surtout sur un lac gelé. Destination confirmée. Mettez-vous au travail, camarade. Et je vais pas vous mentir, le plus dur, ça sera le point A. Autant que point haut, vous mettez une mitreuse là, c'est bon. Autant ici, vous mettez une mitreuse qui couvre en gros les approches là. Une mitrailleuse là ou une ici pour couvrir le point là, et du côté gauche vous mettez une mitrailleuse là et c'est bon. Bon, niveau positionnement c'est pas trop dur. Bon, ce qui va être compliqué c'est que l'IA le plus souvent va aller ici, hein, et va légèrement abandonner le point d'essence là à l'ennemi. Et comme je l'ai déjà expliqué, le problème c'est que si l'ennemi a des chars avant nous, ça nous pose problème, étant donné qu'il va pouvoir nous raser. Ce que bien évidemment nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas subir. Alors petite technique que j'ai trouvée, voilà, c'est un gain de temps. Il faut se dire en fait, il faut vous acheter du temps pendant le début de mission jusqu'à ce que vous ayez vous blindé. Donc la petite technique que j'ai trouvée, c'est vous mettez des barbelés là. Vous allez peut-être me dire que c'est bizarre, mais en fait, étant donné que de base c'est barricadé là et que vous mettez des barbelés là, l'ennemi va contourner. Ce fait qu'après vous remettez encore des barbelés. Bon bah c'est trop tard. J'ai trop attendu. Du génie, prêt. Il leur faut des mitrailleurs pour prendre ce secteur. Prêt. On va prendre l'objectif et le défendre avec de l'ennemi du milieu. D'accord. Il leur faut des mitrailleurs pour prendre ce secteur. La mère patrie s'étend. Section de mitrailleuse, l'eau prête. Alors, on met une mitrailleuse là. Mitrailleuse prête. Soldats, on lève la section. On doit prendre cette position. Génie d'assaut, prêt. Section de mitrailleuse. On repositionne la mitrailleuse. Bon, ça tient à gauche, donc c'est bien. C'est qu'il me faut vite ma mitrailleuse à gauche. Préparez-vous, on bouge. Troupe ennemie. Feu sur les fantassins ennemis. Section de mitrailleuse, lourde, prêt. Et mince, ils ont déjà contourné ma mitrailleuse là. Mitrailleuse lourde, prête à tirer. Repliez-vous les gars. Pourriture. Infanterie ennemie. Allez, en route. On a tué un groupe d'ennemis. Ah là là. On attend les ordres. La position m'a l'air pas mal pour poster une mitrailleuse. L'armée rouge a... On s'en empare pour le peuple soviétique. Bon,
Eh oh! Ah bon. Je pense qu'il y a de réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Déplacement. Bon, elle s'est ressaisie, c'est pas grave. On déplace la mitrailleuse. Donc. Quelque chose. Quels sont les besoins? Ennemis tire! Concentrez-vous, les tirs! Il marchait dans mes traces. Attention! Ce sera plus facile. On s'est battu pour ce territoire. Oui, camarades, gardez! Voilà. Des ordres. Trouvez-vous de vraies mitrailleuses! Groupe en attente. Mitrailleuse lourde, prête à tirer. Vous voulez crever ici? Ici, je vais mettre. Empiler des sacs de voilà, sable. Des sacs de sable. Soldats du génie, on y va. Et je répète encore une fois, il nous faut gagner du temps. Oui, camarade. Mitrailleuse prête. Donc si vous pouvez pas être de barbelé, vous mettez des sacs de sable. Hein. Déplacement. Construction achevée. En plus, ça donnera une couverture pour vos troupes. Contact hostile. C'est l'heure de se mettre en marche, camarade. Il faut qu'on bouge. Grenade! On essuie des tirs d'armes légères. Ils sont déjà en phase de bataille 1. Prêt. Parce qu'ils débloquent ça en fait. La première amélioration du bâtiment allemand, ils débloquent la grenade à fusil. Sécurisez cette putain de zone. Préparez-vous à déplacer cette foutue mitrailleuse. D'où l'importance de connaître ses ennemis et ce qu'ils peuvent avoir. Allez. Donc maintenant, des barbelés ici. Soldats du génie, faites des barricades. On capture l'objectif. Des barbelés là. Je réfléchis aussi en même temps, hein, si je fais pas une erreur. Section de mitrailleuse, lourde, prêt. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas le choix. Hein. On repositionne la mitrailleuse. Camarade, vu que j'ai repoussé beaucoup d'ennemis, j'ai quand même pris un petit avantage. Je vais pas mentir. Ce territoire est capital. Mitrailleuse prête. Ces salauds lâchent rien. L'ennemi tire. Mitrailleuse lourde prête à tirer. Brisez le lance-flammes. Mitrailleur prêt. Oui, voilà. Et parfait, j'ai le bon commandant. Au bon moment. Section de mitrailleuse lourde prête. La position m'a l'air pas mal pour poster une mitrailleuse. Et ici, derrière, vous mettrez des mines. Comme ça, si jamais un véhicule s'amuse à passer par là, vous pourrez le couler. Pour la redoute. Libérez ce territoire. Verrez bien. D'ailleurs, faudrait que je renforce ça. Rejoignez cette section. Elle a besoin d'autres hommes. Section de mortier prête. Bon, vous voyez, globalement, ça se passe plutôt bien. Camarade, on va s'emparer de ce territoire. Il faut détruire quelque chose. C'est fait, on est en route. Groupe de choc en attente de déploiement. Ah, j'ai jamais vu qu'il y avait un passage ici. Mais... Et voilà. On va mettre encore du barbelé alors. J'ai les oreilles. Retour à la base, tout de suite. Prêt. Nos supérieurs nous ont donné des mortiers de 120. Oui, camarade. Oh, une mitrailleuse qui me bloque. Oh. Pas de bol. Et voilà, l'ennemi ne peut plus passer. Donc maintenant, je mets une ou deux mines derrière. Mitrailleuse lourde, prête à tirer. Bordel, une grenade! Mitrailleuse allemande! Besoin des soldats. L'ennemi s'empare de notre ravitaillement. Mitrailleur prêt. Et montez cette mitrailleuse. Nous avons bien tiré. Génie d'assaut prêt. C'est fait. On regagne immédiatement la base. Je lag beaucoup, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, c'est pas grave. On attend vos ordres. On rejoint la destinée. C'est toujours très amusant quand ça. Ils ouvrent le feu sur nous. On est en route. Ici les troupes de choc. Section de mitrailleuse lourde prête. Les soldats sont prêts. Prendre c'est une chose. On est prêt à tenir tout. Sans par contre, il y a sacrément intérêt à prendre le point d'essence nord. Là, là on commençait à s'ennuyer. Je suis d'accord de bloquer l'ennemi en face de moi, mais je peux pas tout prendre de la map.
J'attends les ordres. Bon, globalement, c'est pas pire au monde que vous avez. Elle fait parfois de grosses erreurs, faut pas dire le contraire, ça serait mentir. Mais bon, il y a des IA qui font beaucoup plus d'erreurs que ça. Largement pire. Il y a des IA surtout largement pire que celle-ci. Lancez-leur une grenade! Granada! Un couvert. Ils ne tiendront pas! Feu! Ou une balle! Putain! Déplacement pour capter! Mort! On a l'ordre de capturer cette zone! Ennemi tire! Sa cible. Qu'est-ce que vous voulez? Fusilier, prêt! Ils ouvrent le feu sur nous! Emparez-vous de cette position! Contact hostile! Joignez-le! J'en ai vaincu des mitrailleuses! Il va falloir éliminer cette zone! On approche et on prend. On est attaqué. À terre. Là-bas, vite. On reçoit des tirs d'armes légères. Je découpille. Grenade envoyée. Ils ouvrent le feu sur nous. On se replie. Et ce qui est bien, c'est qu'on est en plein blizzard. À l'attaque. Attention, blizzard. Quand vous êtes contre de vrais joueurs, le plus souvent les joueurs sont même sceptiques à attaquer dans Blizzard et c'est là que vous devez en profiter. Et voilà, je peux appeler directement KV1. Vous voyez, c'est ça qui est très important, c'est le timing. Quand vous jouez contre des IA, c'est hop avec les Russes, quand vous terminez le bâtiment de production des blindés, hop, vous devez tout de suite pouvoir sortir un blindé. C'est soit KV1, soit le T-34. Sinon, vous avez un gros problème de timing. Et ça, c'est surtout dû parce que ça prend du temps à construire le bâtiment. Tout plutôt que rester là à geler. Ça fera circuler le sang. Ça prend du temps de construire ce... J'ai un freeze, excusez-moi. C'est tout que le bâtiment là prend du temps à être construit. Chez les Russes. Et tant que le bâtiment s'est construit, normalement, ça va bien se passer. Autre point positif dans Blizzard, surtout que l'ennemi, ça gêne l'ennemi, c'est surtout qu'en fait, les mortiers ennemis vont surtout moins vous harceler, moins de lignes de vue, tout ça, donc... On est attaqué. Vous ne nous aurez pas tous. Et nous avons déjà 2 KV1, donc c'est parfait. Serrez bien vos bottes. Vous pensez à mettre des foyers un peu partout. Allez, ça devrait déjà être construit. Et là, je vais attendre mon deuxième char. Structure achevée. Pas besoin de soldats du génie pour brancher mon assaut, tout simplement. Et surtout éviter quand même qu'il coule. Hein. Tout seul, ça serait dommage, surtout que j'ai pas d'autre moyen d'en avoir un autre tout de suite là. Allons-y, camarade. Bien, on s'y rend. Il faut préserver ses troupes. Donc voilà, la partie s'annonce bien. Parce que voilà, j'ai tout ce dont j'avais besoin est déjà là. C'est fait. On bouge d'ici. La gauche est contrôlée facilement, hein, faut dire le contraire, c'est une connerie. Le centre est plutôt bien contrôlé aussi, hein, avec un char, tout ça, donc. Il me manque surtout, en fait, il me faudrait un autre blindé, voilà. À deuxième KV1. J'attends mon deuxième KV1 et je lance mon assaut, voilà. Comme toujours, c'est une histoire de timing. Vos ordres, et... voilà notre objectif. Condition dégagée. Le blizzard est passé. Le problème attaqué avec un blindé, c'est que vous êtes vulnérable surtout au canon anti-char. Quand vous en avez deux, il y en a un qui peut faire en sorte d'attirer le premier tir au canon anti-char ou pas en coup de contour. Marchez dans mes traces. Ce sera plus facile.
Et d'ailleurs, on va... On attend les ordres. On attend vos ordres. Remuez-vous, feignasse. Je vais débloquer ça. Non, ça, ça prend... Ça va tomber. Des ordres. Notre section a été promue. On rentre à la base. On rejoint l'arrière. Le lance swarm est quand même très efficace. Hein. Et je sais qu'ils ont un char. Un canon de char, je pensais. Oui, ben il est là. Et surtout évitez de laisser vos chars sur la glace. Parce que quelques tirs, ça peut détruire en fait votre char sur la glace. Déjà que votre char endommage la glace en manœuvrant dessus. Et surtout évitez. Ce que je veux dire, c'est éviter d'envoyer plusieurs chargours l'un à la suite de l'autre. Là, vous voyez, la glace est quand même sacrément fragilisée. Le deuxième chargour, ça m'étonnerait qu'il passe. Si jamais il passe, le troisième ne passe pas. Ça, c'est une certitude. Hein. J'ai déjà perdu des tigres comme ça. J'ai fait un combat de tigres. Oh mince, je m'en suis couru un tout seul. J'avais trois tigres, ben il y en a deux qui sont pas repartis. Hein. Bah, je peux vous dire, vous sentez sacrément bête après ça. Hein. Et si j'avais été un peu plus prudent, si j'aurais pas un peu abusé, bah, le tigre aurait été encore là. Enfin, les tigres, plutôt, parce que j'en ai perdu plusieurs. Et là, je cherche en fait le canon de char ennemi. C'est un canon de char violet. Voilà. Et voilà. Vous pouvez avoir le meilleur char du jeu. Il coule comme tous les autres chars, hein. C'est quand même qu'on se rend compte. C'est sacrément génial. Ce gameplay avec la glace est tout simplement génial. Parce que vous pouvez couler tellement d'unités, c'est tellement frustrant. Mettez-vous à la place de l'ennemi. Vous perdez un tigre, ouais, on va dire, ouais, le tigre c'est l'un des meilleurs chars allemands. Imaginez, vous l'avez appelé, il coule. Tout de suite après, vous l'envoyez au front, il coule quasiment tout de suite après. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est génial en fait dans ce jeu, c'est que vous pouvez tellement énerver les ennemis à cause des trucs simples. Et je fais sauter en priorité les bunkers, c'est pour éviter que quand mon aga arrivera, ça lui permettra à ses infanteries de s'appeler librement. De plus, on constate que le KV1 a dû couler quelque part par ici. Enfin, j'ai quelque part par ici, ce que c'est simple, la glace est fragilisée, il y avait un canon de char qui tirait là. Mon allié avait un KV1, maintenant il n'en a plus. Ou peut-être ici, non, ici c'est déjà beaucoup plus ancien cette glace là. Donc voilà, comme toujours, faites gaffe à la glace. Ça fera circuler le sang. C'est vraiment bête de perdre des chars à cause de ça, à cause de la glace. Si vous pouvez éviter, évitez quand même. Donc voilà, et la partie, j'ai pas envie de mentir du tout, elle est terminée. Ouais. Il reste 300 points à l'ennemi. Les recrues
que j'ai la map pour moi. En plus d'avoir la map pour moi, j'ai les chars pour moi. Ah, il a réussi à prendre un blindé juste avant que son bâtiment disparaisse. Le truc ne me pénétrera pas. Ne pourra pas me pénétrer. Voilà. Et on peut envahir les Stormovic. Voilà. Voilà. Venir soviétique. On attend vos ordres. KV1 en... Voyez, vous spammez de blinder et ça se passe tout seul. Hein. Et voilà. Allez en avant, camarade. Oui, équipé de je sais plus l'arme, je crois que c'est le Panzerwagen 39. En gros, c'est l'équivalent du PTRS russe, sauf que c'est allemand. Ouah, c'est grosso modo la même unité. Et maintenant, je vais faire 2 T-34, mais qui me prennent 10 de population, un KV1 me prend 15. J'aurai d'autant plus d'unités sur le champ de bataille que j'aurai de KV2 T-34 en plus. Et maintenant, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, l'allié va maintenant avancer. Vous voyez, il a plus. Il va capturer les points petit à petit, tout ça. Et comme je détruis tout ce qu'ils ont dans leur base, ben, il n'y a plus de défense. Hein. Voilà, on détruit tout. Voilà. En avant. Hop. On appelle encore un T-34. Ouais, il y a un Panzer 4. Le Panzer 4 pénètre déjà un peu plus souvent que le Stu. Hein. Un peu plus. Et voilà, le dernier bâtiment. Je pense pas avoir battu mon record sur cette map. En empêchant l'encerclement de Moscou, les défenseurs de la capitale allaient finir par changer le cours de la guerre. À partir de cet hiver mémorable, l'Union soviétique allait commencer à lentement repousser les envahisseurs. Ah, c'est ainsi que nous avons réussi une nouvelle fois cette mission. Une mission de plus. Bon, vous voyez, c'est exactement en fait comme toutes les missions. Je veux dire, souvent vous voyez, étant donné que c'est la même facilité à chaque fois. Vous faites des blindés
En 1941, quand vous êtes russe ou allemand, dès que vous avez les premiers blindés et que vous les... vous gagnez en fait. Le premier à avoir blindé, c'est celui qui va sûrement gagner la partie. S'il y a les en premier, ça peut poser problème, mais bon. Globalement, c'est celui qui a en premier à avoir les chars qui va gagner. Donc, ah, 22-54, c'est dommage, j'ai pas battu mon record. Je crois que vous ne pouvez pas avoir montré partisanement. Bon, vous voyez l'efficacité. L'efficacité, c'est en fait le coût qu'a coûté. Le coût qu'a coûté votre unité et pourquoi il a détruit en fait. Donc j'ai détruit pour 180%, c'est-à-dire que mon unité a coûté. J'en ai produit 3 à 600 de points effectifs plus 75 de points effectifs que char. Donc je vais faire le calcul. J'ai détruit beaucoup, pour beaucoup plus en efficacité. C'est ça le coût là. Ouais, je suis déjà arrivé avec des unités à plus de 1000% d'efficacité. Vous voyez. C'est comme ça en fait, vous pouvez améliorer par exemple vos stratégies. Il était 34, je les ai appelés tard, ils ont rien fait du tout, hein, donc ils ont pas fait des cas du tout. Ouais, globalement, je fais 5 véhicules, efficacité de 102%. Pour infanterie, c'est 213% d'efficacité, donc globalement, c'est positif. Voilà, vous voulez que je vous montre le tableau, et voici. Hein. Donc voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons terminé les batailles en coop avec l'URSS. Cette fois-ci, nous attaquerons par la suite la Crimée. Mais pour ça, on se retrouvera dans l'épisode suivant. Donc je vous dis à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.